Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous lancer la vidéo de cette semaine, j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est les 2 ans de la chaîne et pour ça, on a voulu marquer le coup. Alors je vous retrouve à la fin de cette vidéo où je vais tout vous expliquer. Il y aura aussi un jeu concours. Allez, à tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est dans l'Ain pour la première édition du Hangar 01. Il fait super beau, l'endroit est super beau. On est sur un aérodrome. C'est un festival de la moto sur 3 jours avec des concerts de rock le soir et tout. J'ai super hâte que l'événement commence, ça va être une belle journée. On est en train d'installer l'airbag, on est en train d'installer la rampe. Le sol était pas super plat, du coup ils nous ont sorti une 8 tonnes pour mettre le sol à niveau. C'est juste royal. Allez, je vous montre tout ça. La rampe était vraiment pas droite, du coup décaissé avec la 8 tonnes, ça va être parfait. Juste, j'espère pas être embêté par le vent cette fois. Et on a amené l'équipe. La Lane, le petit frère et Tortue là-bas. Bonjour Tortue. Dis bonjour Tortue. Ensuite, on met le métal déployé. La moquette au sol, entraînement, le festival commence à partir de midi. Donc l'objectif c'est de finir le décaissement, mettre le métal déployé et faire un petit entraînement, des essais avant que le public n'arrive. Et ce soir, j'ai un show vers 20h avec mon pote Chris Bruant qui est là aujourd'hui avec sa structure Dust. Donc on va rouler en même temps. Bon, j'espère que ces petits périples avec moi en Suisse, à Tarbes et sur tous les lieux de show avec moi vous plaisent. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous aimez pas ou que vous aimeriez voir un peu plus ou des choses que vous aimeriez savoir. En tout cas, c'est vraiment cool de faire partager ce que le FMX me fait vivre avec vous de cette façon. Mais s'il y a la moindre chose qui vous plaît et que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, le fait que ce soit un petit peu en descente, c'est un petit peu technique pour se caler, mais j'ai roulé un bon petit quart d'heure, prêt pour les shows d'aujourd'hui. On va rouler 2 fois. Je pense pas que je vais mettre la caméra sur moi parce que c'est à peu près la même chose, donc vous connaissez les angles de vue. Je vais plus vous montrer le festival et tout ce qui se passe autour. Et puis voilà. Sinon, il y a un petit peu de vent, on est en plaine, donc il y a quelques petites rafales, mais le vent il est de dos, donc vaut mieux qu'il soit de dos que de face ou de côté. Ça s'annonce pas trop mal. Allez. C'était ma future moto. Et là, il y a le stand Motard à la française, le sponsor qui me suit depuis maintenant 6 ans. Ça fait 6 ans que Motard à la française me suit. L'airbag est là avec le logo Motard à la française, le stand Motard à la française est là. Le patron! Même les bières Motard à la française. Est-ce qu'on ferait pas un dirt picole un jour avec les bières Motard à la française? Ah ouais. J'ai soif. Premier entraînement en show,
on se cale avec Chris. Chris est en train de jouer avec le public. Après, moi, je fais quelques sauts et on se prépare pour le show de ce soir. Les gens ont l'air plutôt réceptifs. Je fais pareil. Ça repart sur la grosse rampe. M'arrêtez là, regarde, il n'y a que là qui sont chauds. Est-ce que vous... Bon voilà, premier show, entraînement fait avec Chris, ça s'est super bien passé, le public est super réceptif, ils adorent. Le combo qu'on a fait, trial et FMX, va super bien. Donc ça s'annonce super bien pour le reste de la journée, ça fait beaucoup de super. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, la moto dans le stand, motard à la française. Boum. Boum. Ah voilà, donc sur le stand de la gomme, si vous êtes moche, vous venez, vous restez moche, mais avec le style en plus après. Voilà, donc on va vous reconnaître. Ah, essaye de le rendre beau, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Tu vois, ça commence déjà. Ça commence, ouais. L'homme préhistorique René. Hein? L'homme préhistorique René. L'homme sort de sa cave. L'homme sort de sa cave. Tortue, 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 popopo le mec. Wow. Putain, on a changé tortue. Attends, 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 attends. Vas-y. Waouh. Profite pas tous les jours. Waouh. Purée, waouh. Ouais, troisième saut de la journée en duo avec Chris. On va faire, il va faire sa petite partie. Moi, je fais trois sauts, sa partie, trois sauts. Et normalement, je vais faire quatre passages. Il y a du monde là. N'hésitez pas à l'encourager. C'est vraiment. Eh, ça passe le module. Allez, on encourage, s'il vous plaît. Les bras bien serrés, les jambes serrées. Et j'ai qu'une seule chose à dire, moi, c'est bon courage. Juste histoire de faire de présentation, c'est voilà. Ça. Oh. C'est ce qu'on appelle tourner autour de quelqu'un. Hop là. J'entends rien du tout, hein. Vous pouvez faire du bruit pour lui. Hein. Allez, on peut faire parler à l'équipe. Yes. Avec la barrière. Oh. On est en train de tourner. Wow. J'entends rien du tout. Faites ça. Vous voyez comment on prend soin du public, hein, quand même. On applaudit très fort, s'il vous plaît. C'est vraiment bien ici, là, de se retrouver ici. Attention, les billets de famille. Oh.
l'équipe. Ne bouge surtout pas. On continue d'applaudir. On continue d'applaudir. Pour ton courage, on t'offre une bière. Tu auras juste à te présenter une bière ou autre chose. Dans le temps, c'est pas la consommation. Mais si tu veux, donc... Bon alors, c'était le show où il y avait le moins de vent, ça allait, c'était pas trop mal, plutôt bien, ça a plu. Pas mal le duo qu'il y a à la Phoenix là, ouais. C'était cool hein. Ça va, t'as plus d'herbe dans les chaussettes ou quoi? C'est les je sais pas, j'ai... tu vois, je suis un peu bronzé. Ah ouais, ok. Je crois que c'est les cailloux que t'as mis dans les godasses. Ouais, on va récupérer la moto chez Motard à la Française. Bonsoir à toutes et à tous autour de la buvette. Oui. Bon, ça y est, le vent s'est calmé. Avec Chris, on a décidé de faire une session. Il est 20h. Même le soleil est tombé, mais il y a un peu de vent de côté, mais pas assez, je pense, pour être embêtant. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Le public attend ça. Le public est chaud bouillant. Allez, ça va être cool. En fait une rafale à cette hauteur, vous décalez de 1 à 2 mètres et la réception peut être très brutale. Ça y est, le hangar 01, la première édition, c'est malheureusement terminé. Dans tous les cas, je devais finir hier soir, mais j'ai terminé deux sauts avant la fin. Mon épaule s'est luxée durant le tsunami. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à revenir sur la moto et à atterrir, mais j'ai senti qu'il y avait un problème et bah ouais, l'épaule s'est luxée. Étonnamment, celle-là, elle a été luxée trois fois, elle tient. Et bah, celle-là, qui va super bien, bah, elle est sortie hier. C'est dommage, un peu de repos, il y a des shows tous les week-ends, donc il va falloir se remettre très vite parce que là c'est la haute saison, il y a tous les shows, donc un peu déçu, mais tout le public du Hangar 01 a été super accueillant, super chaleureux et compréhensif, et chaud bouillant tout le week-end, donc c'était un super événement, ça fait vraiment plaisir. Je vous donne rendez-vous pour la seconde édition de l'année prochaine, car j'en doute pas que longue vie au Hangar 01. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Bon voilà, la chaîne, elle a 2 ans. Merci à vous tous d'être là chaque semaine pour suivre nos aventures. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer comment l'été s'est passé. Et du coup, pour marquer le coup, fêter ces 2 ans, on a créé la marque Ride. Donc la marque Ride, c'est toutes les personnes qui aiment la chaîne pour suivre nos aventures, qui aiment le FMX, mais aussi tous les riders. Donc que ce soit du motocross, de l'enduro, super motard, mais même BMX, trottinette. Enfin, vous avez compris, tous les riders. Et ça fait plusieurs mois
qu'on teste les produits. Et vous avez dû voir le logo sur ma moto et aussi sur mes maillots. Et franchement, on adore. Et du coup, on a fait des t-shirts enfants noirs et blancs. On a du 8 ans et du 10 ans. On a évidemment du noir, du blanc en adulte et aussi toutes les tailles. Et on a fait ce pull zippé à capuche. Noir et blanc, pareil, toutes les tailles. Donc, si ça te dit d'avoir un petit truc de la chaîne, tu m'écris sur Instagram et on voit ça ensemble. Et évidemment, pour cette bonne nouvelle et fêter les 2 ans, on fait un jeu concours. Donc, si cette vidéo atteint les 1000 pouces bleus, ouais, ça le fait bien avec la telle, je choisirai l'un d'entre vous dans les commentaires et je lui enverrai son t-shirt. Bon, allez, à la semaine prochaine. Ciao !